السلام عليكم تلاميذ الأعزاء، تلاميذ الثانية بكالوريا علوم رياضية. رمضان مبارك سعيد غدا إن شاء الله بإذن الله. فنزيد نأكدوا بأن هذه فرصة جديدة إن شاء الله لتخصيص مزيد من الوقت في التعلمات، وماشي غير في التعلمات، في تقويتها، وإن شاء الله باش المستوى ديالكم يكون مستوى جيد، مستوى رائع ديال التلاميذ الرياضيات. إذن على بركة الله كما وعدتكم في آخر حصة غادي نحاول نديرو اليوم الباك ناسيونال 2002 يتعلق بالفضاء المتجهي، وغادي نحاول نديرو دي بوتي كومونتير دي ديسكسيون أوتور دو سوجي. إذن على بركة الله كما قلنا نبدأ الباك ناسيونال، باك ناسيونال 2002. ألوغ رابيل كو جو لي لينونسي بوغ ميتر لي بوان سور لي. Alors on rappelle que M3 de R plus multiplié, c'est l'anneau, c'est un anneau unitaire. L'unité de l'anneau, la matrice identité. Et qu'on rappelle aussi que M3 de R plus menu de points, la multiplication externe, est un espace vectoriel réel. Alors on va vous donner cette matrice-là. Et eux, l'ensemble des matrices M, regardez là, qu'est-ce qu'il fait ces éléments-là avec A? Il commute avec la matrice A. Bien. Alors, on vous demande, premièrement, petit a, montrer que cet ensemble, la menu de plus, point, est un espace vectoriel. Donc, il faut bien savoir comment vérifier ça. Et puis, montrer que ce triplet-là, I, A, A au carré, est une base de cet espace. Et puis la deuxième question, montrer que E plus multiplié est un anneau commutatif. Et puis la troisième, on vous donne l'ensemble I, qu'on appelle I, c'est l'ensemble des éléments, des matrices de cet ensemble-là, du commutant de A, dans le déterminant et non nu. Alors montrer que cet ensemble-là, menu de la loi multipliée matricielle, est un groupe commutatif. Et puis on va vous donner une matrice grande B, qui est I plus A au carré, et on va vous demander déterminer tous les matrices de l'ensemble grand E, là, qui vérifie M fois B égale la matrice nulle. Et puis on vous demande de démontrer que le déterminant de cette matrice-là, c'est cette expression-là. Et puis, on vous demande, dans la dernière question, déterminer l'ensemble des diviseurs de 0, dans cet ensemble-là qui a une structure d'anneau commutatif, comme nous l'avons, vous l'aurez vu dans la deuxième question. Bien, donc je vous appelle, chers élèves, donc de faire la pause comme d'habitude, prendre suffisamment de temps, le temps qu'il vous faut, et on va commencer la discussion des solutions dans un instant. Commençons par la première question, petit a. Alors, il s'agit de montrer que cet ensemble-là a une structure d'espace vectoriel. Alors là, la plus simple des choses, c'est de se référer à cet espace vectoriel-là. Alors, montrons que cet ensemble-là, menu de plus point, est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel de référence M3 de R, si vous voulez, menu de plus et point. Voilà. Alors là, il fallait que je corrige ça. Bien. Alors, même chose ici. Alors, d'abord, vérifions que ça, cet ensemble est non vide. L'ensemble est non vide, c'est absolument facile parce que l'identité vérifie ça. Donc, l'identité commute avec toute matrice, en particulier avec A. Ceci entraîne que l'identité, regardez là, elle appartient à mon ensemble. Donc mon ensemble, il est non vide, par conséquent. La deuxième chose, c'est la stabilité par combinaison linéaire. Donc on va dire soit alpha, beta dans R, et soit deux matrices MN qui sont dans E. Et on va essayer donc de regarder cet ensemble-là. Alpha M plus beta N, est-ce qu'il commute avec A? Parce que la propriété caractéristique des éléments de cet ensemble, c'est qu'ils commutent avec A. Alors là, la structure d'anneau me fait dire la chose suivante. Alpha MA plus bêta NA. Voilà, là c'est la structure d'anneau, le grand.
Alors, la structure de ce vectoriel du grand espace me dit que je peux faire ça, alpha point na. Et la même chose, bêta point na. Alors, maintenant, le fait que m et n appartient à l'espace, ça me dit de d'écrire ça. Alpha am plus bêta an. Voilà. Et puis encore là, si vous avez une structure vectorielle, je peux aussi faire entrer le alpha. Alors le alpha, ça va me faire comme ça. Alpha, M. Il faut faire attention à ces petites choses-là. A, donc bêta, N. Puis la structure d'anneau à nouveau, ça me fait écrire ça. Donc A alpha M plus bêta N. Donc, d'où la combinaison linéaire appartient. Donc, d'où alpha n plus bêta n appartient à mon ensemble qui devient alors un espace vectoriel. Bien. Donc, là, essayez donc de faire attention. C'est juste des justifications qu'il faut écrire clairement. Alors, essayons donc dans la question petit b de montrer que ce triplet-là est une base de E. Je rappelle que A, c'est ça. Donc, finalement, Si je vais chercher, si vous voulez exprimer une matrice M, soit M dans E, je vais essayer de l'exprimer en fonction de IA au carré pour montrer que génératrice, si je démontre l'unicité des composants, c'est que c'est une base en un seul coup. Donc disons que soit M la matrice qui est de la forme ABC, A', B', C'. Et puis A seconde, B seconde, C seconde. Alors là, le seul moyen que vous avez dans cette situation-là, c'est le fait que cette matrice-là est commute avec A. C'est une information intéressante. Alors écrivons ça. A, B, C, A', B', C'. Et puis A seconde, B seconde, C seconde. Et écrire le fait que ça, c'est aussi, elle est égale la matrice A. Alors là, 1, 0, 0, 0, 1, 0, fois la matrice, même chose, A, B, C, A', B', C', A seconde, B seconde, C seconde. Alors, s'il vous plaît, essayez donc de trouver, à partir de là, une égalité entre ces deux matrices-là. Je vous donne 2 minutes. Bon, essayez. Alors j'espère que vous avez pris le temps donc de voir que ce produit-là, voici la matrice produit en bleu, et puis que l'autre produit, celui-là, voici la matrice en rouge. Bien, alors maintenant la forme de la matrice M, ça va être simplifié, on aura à remplacer le tout en fonction de ABC comme nous allons le voir. Gardons la première ligne ABC. La voilà, c'est ABC. Alors la deuxième ligne, regardons A'. Le A' c'est C. Puis le B'. Le B' c'est A. Et puis finalement, le C'. Le C' c'est B. Voilà. Alors maintenant le B seconde. Alors regardez avec moi le B seconde. Alors là, mon B seconde, je reviens ici. Le B seconde c'est C. Alors le B seconde, alors là c'est C. Et puis le A seconde c'est B, voilà. Et puis finalement le C seconde ça va être A. Voilà donc ma matrice. Donc si M maintenant il est dans E, forcément M est là cette forme-là que vous voyez ici. Maintenant il suffit que je la décompose. Une fois que je la décompose, je vais l'écrire sous la forme. Là vous voyez A, ça va me faire c'est des 1. C'est-à-dire là, des 0, 0, alors 1, et puis 0, 0, et puis 0, 1, 0, et puis 0, 0, 1. Là, vous remarquez que c'est l'identité, plus le B. Le B, une fois que je factorise, alors là, le B, regardez, là, il y aura 0, 0, 1, 0, 0, 1, et puis là, c'est 1, 0, 0, et puis là, c'est combien? C'est... Ça va me faire donc 0, 1, 0, plus C, fois une matrice, quand même que je l'écris, pour le moment, je vais l'écrire. Donc, regardez, ça va me faire donc là 0, 0, 1, et puis là 1, 0, 0,
Et puis là, c'est 0, 1, 0. Voilà. Là, j'espère que vous avez reconnu le A, la matrice A. La matrice A, où est-elle? C'est bien celle-là. Voilà. Donc celle-là, c'est la matrice A. Alors, j'ai l'identité. Matrice d'ordre 3. Alors maintenant, l'idée naturelle, c'est de s'assurer que ça, c'est A au carré. Donc ça doit être A au carré. Pourquoi? C'est l'objet de la vérification à faire tout à l'heure. Calculons ensemble le carré de A pour s'assurer de cette égalité-là. Donc, alors on va faire le calcul ensemble. Ça va faire 0, 0, 0. Donc là, c'est 0. Aussi là, ça va me faire 1. Et puis dans l'autre, ça va me faire des 0. Là, pour la deuxième, la deuxième ligne, la première colonne. Donc c'est 0. Aussi, c'est 0. Et puis, il y a un 1 ici. Et puis là, c'est 0. Il y a un 1 au milieu. Et puis là, c'est des 0. Et puis finalement, c'est des 0. Alors, regardons bien ce que c'est le résultat que j'ai trouvé. Alors, le 1 ici, et puis le 1 en bas, au milieu. Donc ça, c'est bien A au carré. Conclusion, qu'est-ce que je viens donc de trouver? Je viens de trouver que ma matrice M, il s'écrit sous la forme A fois l'identité, plus, alors voilà le C fois le grand A, plus un certain B fois A au carré. Et là, vous voyez que c'est que cette décomposition-là, elle est unique. Donc là, c'est que ces réels-là, ils sont uniques. Donc même ce n'est pas la peine de montrer que les génératrices, d'après la génératrice plus l'unicité des coordonnées, ça affirme que c'est une base. D'où, finalement, là bien sûr, le A et le A au carré et le I sont bien des éléments de E parce qu'ils commutent avec A. Donc, ce triplet-là est bien une base, ce que l'on cherche à prouver. Est une base de l'espace vectoriel. Voilà. On arrive à la question montrant que cet ensemble lamellé de plus multiplié est un anneau commutatif. Donc, si vous vous rappelez la structure d'un anneau, c'est le fait que ce premier-là, avec la première loi, est un groupe commutatif, et que la loi multipliée est associative et elle est distributive par rapport à la loi plus. C'est ce que nous allons essayer de voir. Mais profitons de la structure d'anneau de l'espace des matrices d'ordre 3. Pour conclure, la structure de E plus groupe, il suffit donc 1. Pourquoi donc E plus est un sous-groupe commutatif de N3 de R, menu de la loi plus. Ça, c'est pour gagner un petit peu. Voilà. Alors, pour ce faire, bien sûr, mon ensemble, nous avons vu qu'il est non vide puisque l'identité appartient. Maintenant, si je prends deux éléments, je ne vais pas appeler A parce que A, il est fixé. Si je prends deux éléments MN, soit MN dans E, alors, vérifions que M-N, parce que là, la loi plus, le symétrique, c'est l'opposé, appartient bien à E. Alors là, c'est simple de faire cette vérification-là. M-N égale à A. Dans l'anneau, qui est M3 de R+, il y a des règles de calcul distributivité. Donc je peux écrire ça. Moins NA. Alors maintenant, le fait que M et N appartiennent à cet ensemble-là, ça me confère ça. Donc le commutant. Moins AN. Puis les règles à nouveau de l'anneau, donc ça me donne AM-N. D'où, finalement, N-N appartient bien à E. Et par suite, donc par conséquent, E menu de la loi plus est un groupe et qui est commutatif parce que l'addition des matrices ne pose aucun problème. Bien. Alors maintenant, la deuxième chose. Alors là, la loi multipliée, il va irriter l'associativité de l'anneau du grand anneau. Comme on va aussi irriter le fait de la distributivité de multiplier par rapport à plus. Mais il nous reste quand même de vérifier que cette loi-là est stable. C'est-à-dire que si je prends, alors stabilité, si n, ils sont tous toujours dans
dans mon ensemble E, alors pourquoi MN serait-il dans E? Il faut répondre à cette question. Pour ce faire, je vais faire ça, MN, regardez s'il commute avec A. Il est égal. Alors regardez encore là. C'est l'associativité dans l'anneau des matrices d'ordre 3 qui me permet d'écrire MNA. Et puis maintenant, puisque la matrice commute, donc là, ça va me faire ça, AN. Puis à nouveau, c'est l'associativité qui va me permettre de faire ce passage-là. Et à chaque fois, veuillez s'il vous plaît de justifier là. Alors là, associativité de multiplier dans l'anneau, ça plus multiplier. Bien, alors ça va me faire ça. Et puis finalement, le fait que M appartient, la commutativité va me permettre d'écrire ça, N. Et à nouveau, pour conclure, ça va me donner ça, A, M, N. D'où MN appartient bien à mon ensemble. Voilà donc. Alors, donc j'ai tout dit. Donc, nous avons une loi qui est stable, un ensemble qui est stable pour la loi multipliée. Le sous-ensemble hérite l'associativité de l'anneau. Il hérite aussi la distributivité de multiplier par rapport à plus. Je vous laisse, cher, de conclure, d'écrire ce que je viens de dire, pour conclure que E plus multiplié est bien à bien la structure d'anneau. Alors maintenant, cet anneau est-il commutatif? Essayez donc de prendre un petit calcul. Maintenant, répondons à la question pourquoi l'anneau est commutatif. Donc, l'idée là, c'est d'utiliser l'expression de matrice des éléments de E. Nous avons vu que cet espace-là est généré par le triplet IAA au carré. Donc, chaque matrice M, il va s'écrire sous la forme, disons un alpha I plus bêta de manière unique, bêta A, plus gamma A au carré. Et puis là, on va écrire le N égale alpha prime I plus bêta prime A plus gamma prime A au carré. Alors là, vous voyez que lorsque je vais faire le produit maintenant, il y aurait des puissances des matrices de A. Donc là, la première chose, regardez là, j'aurais besoin de calculer A4 et de calculer A3. Je vous laisse le soin, chers élèves, de vérifier que vous avez A3 égal à l'identité. Ça, il faut que vous vérifiez ça. Et par conséquent, alors vous aurez donc le A à la puissance 4. Il va tout simplement vous donner A. Bien, alors maintenant, regardons le produit. Le produit, je vais appliquer les règles de distributivité dans un anneau. Donc ça va me faire alpha alpha prime. Alors là, je rassemble les coefficients de I. Et puis là, nous avons dit quoi? A au cube égale à 1, donc j'aurai besoin de ce produit-là. Plus bêta gamma prime, plus bêta prime gamma, fois le I. Et puis, je rassemble les coefficients de A. Pour le A, j'aurai donc alpha bêta prime plus alpha prime bêta. Il y a encore un troisième. J'aurai 9 termes le tout parce que j'ai 3 fois 3. Donc plus j'aurai, donc je cherche le A, il va provenir de A4. Donc plus gamma gamma prime multiplié par le A. Maintenant, il me reste le A carré. Le A carré, ça va venir d'ici, plus alpha gamma prime, donc plus alpha prime gamma, et puis il y a un bêta bêta prime fois A au carré, plus bêta bêta prime fois A au carré. A au carré. Voilà. Donc maintenant vous allez voir, NM, si vous le recalculez de la même manière, il va vous donner exactement ceci-là. Donc je vous laisse le soin de vérifier. Parce qu'en fait, il n'y a rien là, c'est juste une vérification. Le rôle de alpha, alpha prime et bêta, bêta prime, là vous remarquez une sorte de symétrie. Donc, ça va rester. Vérifiez, s'il vous plaît, là, pour vous impliquer dans ce petit calcul de vérification. En conclusion, l'anneau est bien
commutatif. Alors montrons maintenant que cet ensemble-là est un groupe commutatif. Donc en fait, on a déjà fait beaucoup de choses qu'il faut quand même rappeler, que multiplier est stable. Multiplier est stable dans cet ensemble-là, stable. C'est-à-dire que lorsque je prends deux éléments, leur produit reste ici. Et puis quoi? L'identité, il est là-dedans, bien sûr. La commutativité aussi, on avait même établi que l'anneau commutatif. Multiplier commutative. Qu'est-ce qu'il nous reste encore? Il est associatif, il est irrité par associatif. Multiplier est associatif. C'est irrité, comme nous l'avons dit, de la structure d'anneau. Alors maintenant, il vous reste tout simplement à montrer que tout élément est symétrisable. Le fait que le déterminant est non nul, c'est-à-dire que tout élément appartenant à E, à I, entraîne que M-E existe. Mais la question, il faut vérifier que M-E est vraiment dans I. C'est la question qu'il faut résoudre. Pour ce faire, je dois montrer ça. M-E de A est-il égal à M-E? C'est le commutant de A. Pourquoi ça? Donc, là, c'est mieux de revenir à M. Pour ce faire, donc je vais prendre tout simplement ça, et je vais considérer l'inverse de ce produit, qui est égal, d'après la règle du l'inverse du produit, c'est A-1M. Or, le A-1 maintenant, il faut se rappeler qu'on avait établi une chose, c'est que A au cube, c'était égal à combien, si vous vous rappelez, c'était égal à I. Et ça va conférer que le A-1, il est égal à A au carré. C'est une bonne chose. Je vais l'utiliser ici. Ça va me donner A au carré M. Et là, ça vient le fait que M appartient. Ça va me faire ça, AM, l'associativité truc d'anneau. Donc ça me fait AMA. Et voilà, je reviens aussi, ça va me faire donc AMA pour me donner finalement MA carré. Mais MA carré, c'est bien MA moins 1. Conclusion. Ça égale à ça. D'où, finalement. Maintenant, je passe à l'inverse. Alors, M moins, j'écris doucement. Moins 1 égale MA moins 1. C'est-à-dire que ceci va m'entraîner, cette égalité-là, en passant aux inverses, ça va entraîner que M moins 1A. Règle de l'inverse, une autre fois, ça va me faire AM-1. Conclusion, le M-1, il est bien dans I. Par conséquent, vous voyez bien qu'il y a la structure de groupe commutatif. Dans cette question, il s'agit donc de chercher les matrices. Quelles sont les matrices dans mon ensemble E, telles que M fois B égale la matrice nulle. Quelles sont ces matrices-là? Alors là, si on se réfère à la première question sans refaire les calculs, là, on constate que, si vous voulez, on est dans le cas où mes coefficients sont tous égaux à 1. Et la forme de la matrice, vous la connaissez, donc je peux inférer que grand B, c'est tout simplement, c'est cette matrice-là. Ça, et vous faites référence à quelle question expliquée. Sinon, vous faites les calculs, I plus A plus A, vous allez encore trouver ça. Bien, maintenant, je vais prendre une matrice, là, qui est, si vous voulez, donc M. Alors là, le M, j'ai le choix. Soit d'écrire le M et de le chercher, soit de revenir à sa forme. Donc, alors là, vous avez le choix. Donc, considérons si je prends n égale, alors, à xi plus ya plus za au carré. Donc, disons que j'ai choisi ça. Et maintenant, vous savez bien qu'il sera donc le mb. Donc, le mb, faites s'il vous plaît les calculs. Vous allez me trouver une expression très simple, donc je vous laisse 2 minutes pour faire ce calcul. Alors, j'espère que vous avez donc compris la forme de la matrice M. Donc là, je rappelle xc fois i, donc il va se retrouver dans la première diagonale. Le A,
sans coefficient si y, donc on avait 1 au point ici, donc là, et 0 par suite qui va être là à la place z, et puis là c'est z, donc c'est juste un calcul qu'il va falloir faire, et là aussi c'est z, voilà. Donc, maintenant calculons m fois b, alors un petit calcul, ça va nous donner là, vous regardez là, la première ligne fois la première ligne fois la première colonne. Ça va vous faire la somme x plus y plus z. L'autre, pour avoir la deuxième ici, donc je vais prendre la première ligne, la deuxième colonne, ça va aussi me donner, donc regardez, c'est x plus y plus z. Même chose là, pour la troisième composante, c'est x plus y plus z. Même chose ici, même chose ici, même chose là. Finalement, ça va vous faire, si vous voulez écrire autrement, donc c'est x plus y plus z fois la matrice B. Maintenant, il vous serait très simple de déterminer les matrices qui sont des diviseurs de 0, dans ce sens-là. C'est que là, vous aurez à écrire, alors NB c'est 0, si et seulement si, vous voyez là, que le x plus y plus z égale à 0. Donc, finalement, les matrices que je cherche, si vous voulez, il suffit de prendre cette condition-là. Vous pouvez même les déterminer en fonction de A, si vous voulez. Donc, ma matrice sera, disons par exemple que x c'est moins y moins z, ça va vous faire moins y moins zi, le calcul que vous avez l'habitude de faire, ya plus za au carré, et puis, si vous voulez, je peux donc maintenant factoriser par le y, ça va me faire donc a moins i, et puis z facteur, donc ça va me donner a au carré moins i. Donc vous voyez, si toutes les matrices de cette forme-là répondent bien à la question. Donc je pourrais dire que c'est un plan vectoriel. Donc voilà la matrice ai plus ba plus ca au carré. Le déterminant donc de ça, déterminant det, le déterminant c'est une mesure, si vous voulez, du volume du parallélépipède, comme le cas pour le déterminant de deux vecteurs, si vous voulez, c'est l'air, ça mesure la moitié de l'air, là aussi c'est la moitié du volume. Donc, bien, alors là, si vous voulez, donc là il y a des techniques pour calculer ce déterminant, la technique classique, c'est de commencer donc par les coefficients et se ramener au déterminant d'ordre 2. Alors donc je commence par celui-là, c'est un plus, et celui-là, donc je barre la ligne et la colonne, ça va me faire ce déterminant-là. Donc là, si vous voulez, donc, je rappelle, si vous voulez, la forme, donc c'est A, le déterminant, donc A, B, C, A. Là, pour le deuxième, pour des raisons que vous allez voir plus tard, donc là, il y aurait un signe moins, donc moins B, qui va, une fois barré ça, ça va me rester le déterminant C, B, B, A. Et puis finalement, plus le troisième, donc il y aurait donc un mineur, C, et puis ça va rester CABC. Donc tout calcul fait, ça je vous laisse le soin, que vous allez trouver donc c'est 1 demi de A plus B plus C multiplié par, donc ça va faire A moins B le tout au carré plus B moins C le tout au carré plus C moins A le tout au carré. Voilà. Si nous avions un petit peu le temps du programme, on pourrait faire des exercices pour apprendre quelques techniques pour un calcul direct, même si c'est un petit peu sur le bord du programme, mais cela n'empêche que les élèves sachent que je peux faire des opérations sur les colonnes. Alors là, par exemple, si je fixe la première colonne ici, 1, je lui ajoute les deux colonnes. Rien ne change. En tant que mesure, ça ne va rien changer. Donc je vais avoir finalement, si vous voulez, une autre manière. Ce déterminant-là, c'est A plus B plus C. Et là, c'est aussi B plus A plus C. B plus A plus C. Et là, finalement, c'est C plus B plus A. Et puis, je laisse les autres tels qu'ils étaient. A, B,
Et là, ça va me faire B, CA. Alors là, je rappelle, c'est un surplus, hein, vous ne gâchez pas avec ça. Maintenant, je peux faire, c'est comme une sorte de linéarité, ça va me donner A plus B plus C. Et le déterminant qui va en résulter, c'est 1, 1. Et puis le reste, c'est AB, B, C, A, pour me donner finalement la formule que je cherche ici. Je vous laisse le soin donc de terminer ce calcul. Alors maintenant la dernière question, c'est petit c. C'est de caractériser les éléments qui sont des diviseurs de la matrice B. Vous avez vu là, nous avions vu une première caractérisation, que les diviseurs, ils vérifient que ça égale à 0. Ça tout simplement correspond à quoi? Correspond à ce que cette matrice-là, dont le déterminant égale à 0, n'appartient pas à I. Donc, M diviseur de quoi? M diviseur de B, de 0, pardon. On cherche quoi? On cherche les diviseurs de 0. M diviseur de 0. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il existe un B non nul, c'est-à-dire qu'il existe un B non nul, tel que MB égale à 0. Pas forcément le B, pardon. Pas forcément le B que nous avons. Il existe un, disons, un T non nul tel que MT égale à 0. Voilà. Alors essayez maintenant de raisonner pour trouver une caractérisation de ça. Dans cette question, d'après la question précédente, nous avons vu que l'ensemble des matrices telles que MB fois égale à 0 implique que si vous rappelez bien que x, même si équivalent à x plus y plus z égale à 0. D'accord? Mais ça en termes de déterminant, c'est équivalent aussi au fait de dire que déterminant de m égale à 0. Parce que vous voyez que le déterminant c'est 1 demi fois x plus y plus z facteur là parce que je rappelle que le m c'est tout simplement c'était xi plus y a plus za au carré. Et là, c'est-à-dire que m n'appartient pas à i, en revenant à la définition de i. Donc, de ceci, donc, il découle finalement que les diviseurs de 0, si vous voulez, c'est l'ensemble tout entier moins les éléments non inversibles. Donc, c'est ça, l'ensemble des éléments qui sont diviseurs de 0. Je vous laisse, chers élèves, donc de refaire ceci à tête reposée, d'essayer donc de voir un petit peu les passages qui ne sont pas clairs. Donc il y a toujours un travail qu'il faut encore refaire. Et je dis refaire un exercice, c'est un exercice. Ramadan Mubarak, à bientôt. Allah y'aoukoum.